Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle pour ce vendredi le 6 décembre. Nous démarrons Bulletin avec grand titre. Dirigeant l'opposition exprime désappointement avec décision président Faure pour passer projet de loi l'augmentation salaire que l'Assemblée nationale a approuvé. L'Assemblée nationale a approuvé budget 2020 qui dépasse 9 billions 230 millions, mais ça n'est pas inclus budget pour le département technologie et l'information. Il y a une alerte orange pour Bonne-Île dans le sud, inclus Aldabra, la tempête tropicale Belna peut intensifier. La police a annoncé plan d'opération spéciale pour aider à réduire accidents, vols et les autres offenses pendant la période Noël et l'année. Nous allons le bon détail à présent. Dirigeant l'opposition Wevel Ramkalawani dit qu'il est désappointé avec la décision qui président Danny Faure a annoncé hier soir qu'il n'a pas poussé sa projet de loi l'augmentation salaire que l'Assemblée nationale a approuvé. Il dit que dans sa projet de loi que l'Assemblée a approuvé, travailleurs qui gagnent plus bas la paye, si pour gagner plus l'argent de sa bac paye qu'ils ont pour gagner l'an décembre. Mais il dit qu'après sa décision que président Faure a annoncé hier soir, n'a pas non et encore que l'Assemblée est capable de faire l'oula. Premièrement, mon besoin dit qu'ils m'ont désappointé, étant donné que M. Faure est sorti d'un parti politique qui ne l'a guère tout le temps pour travailler, pour regarder qui meilleur travailler est capable de gagner un plus bon deal, pareil nous peut dire. Et c'est ça qui me serait tout le temps, il s'est mis devant. Et là aujourd'hui, l'étant nous le côté LDS, nous peut faire bonne proposition qui pour bénéficier au moins 80% de travailler dans civil service, nous trouve sa même partie et résiste ça. Mais seulement, de l'autre côté, on croit qu'ils travaillent, ils suivent sa débat, ils ont une comprennent bien qu'il y a quelque chose qui se déroule. Sa proposition qu'il nous peut faire, tout le monde, si vous gagnez, un bac paye par là aux 4000 roupies la fin de l'année. Là, sa banque qui gagne moins, c'est pour gagner 2000 roupies. Tandis que, il y en a certains du monde qui, pour Noël, ça l'année, lui, il peut aller dans la cour avec un bac paye environ 27 000 roupies. Alors, comprends-moi, moi désappointé. Mais de l'autre côté aussi, nous suivons l'ordre, nous suivons régulation, nous suivons constitution. Ça qui nous fait est constitutionnel. Nous mettons ça devant le président pour lui, à présent, assente. Et ils sont droits aussi tout pour lui, pas assente. Sa bill, il va retourner contre l'Assemblée. Et c'est la façon pour lui capable de passer. C'est si nous faisons une résolution qui gagne approuvée par deux tiers l'Assemblée. Eh bien, si nous connaissons qui vous dit ça, il n'est pas pour arriver. Alors, cela pour le moment, n'a pas rien qui pour bouger. SBC nous aussi demande dirigeant aux affaires gouvernement pour son réaction, mais il peut répondre non. Il peut répondre nous demande pardon. Pour qu'un investissement par là aux 145 millions roupies qui font pension et faire, il peut à présent besoin l'approbation ministre finance. C'est président Danny Faure qui dit ça hier soir de son conférence La Presse qui se fait State House. Ça vient après qu'ils font pension, qui annoncé, qu'ils investissent dans la compagnie Cable & Wireless, ainsi qu'ils ont discuté dans l'Assemblée nationale. Et après ça, font pension, qui retourne et dit qu'il peut renégocier ça l'investissement avec Cable & Wireless. Et peut-être dit mon y croit qu'avant de décider, sa bonne affaire, il y a devant ministre finance pour approbation. Non. La loi pas dit lui faire ça. La loi donne tout pouvoir faire ça. Donc dans dernier cabinet, nous amène un nouveau policier. Un nouveau policier qui fait si qui a dans sa garantie, il y a dans sa oversight. Et dans sa nouveau l'amendement qui est fini gagné gazeté et qui devant l'Assemblée nationale nous dit qu'ils font pension pour qu'un investissement par là-haut 145 millions roupies
il besoin en an l'approbation ministre finance. Donc sa transaction entre fonds pension avec Cuban Wireless est on hold en attendant que la loi il gagne passé et gagne approuvé et que sa procès légal il gagne fait pour que les PPCC loi et si tout band members band membres fonds pension il gagne sa l'assurance qu'ils ont de l'argent puis gagne bien mété et qu'il y a l'autorité dans le gouvernement qui donne sa sanction finale. Et l'Assemblée nationale il approuve BITC 2020 sa version amendée il pas avec le BITC département technologie l'information des ICT. Plus bonnet aujourd'hui, l'Assemblée s'approuve un budget un peu plus qui 94 000 roupies pour Commission Commerce FTC. Sa budget FTC, Commission Commerce 10, il dépasse 94 000 roupies. Et pendant la session de l'Assemblée, le s'assise, c'est dans beaucoup de questions le bonne pratique insiste, bonne pratique illégale qui arrive dans le commerce ici, Cécile. Tiens, par exemple, question de ce qu'ils nous appellent vertical integration, que disons dans le tourisme, par exemple, et la compagnie, l'hôtel, lui-même, lui fournit transportation, lui-même, lui loue l'auto, lui-même, lui fournit excursion et tous les autres services encore pour touristes. Après, tiens, sa question, que plusieurs businessmen, par exemple, ou bien plusieurs la compagnie, qui normalement fait compétition avec camarades, ils complotent, ils travaillent ensemble pour gagner l'avantage, insiste le marché. Pour le moment, on a trois questions qui sont ongoing. Et par contre, on est en ongoing investigation, nous pas capable cause là et nous déjà en a un qui se devant board mais c'est moi là nous peut cause colo jeune nous besoin imaginer pour dire et nous pas plus gros bailler c'est bonne provision la loi qui quand nous peut travailler avec et ça nous assisté li dans nos law review qui nous fait et cabinet il passe sa bill basically en zin et écoute attorney général pour le moment peut travailler là et bientôt pour venir de l'Assemblée nationale. Et sa bonne provision là, pour nous assez sa bonne moyen pour nous capable faire ce travail un peu plus effectif à cause d'une certaine défaillance structurelle de sa côté. Le côté vertical integration, nous travaillons avec différents business, nous sommes engagés, surtout le côté parallèle, côté sa problème un peu plus prominent. Et nous faisons une bonne contribution dans la policy vertical integration et lately in vine régulation. Et encore, nous faisons aussi certain travail le côté nous la loi pour nous appliquer à capturer les plus bien. Vertical integration est tout le temps des petites économies restées incisées, assez sensibles, assez délicates et vous bien faire si les tous li ou pas déranger les autres quelque chose. Mais c'est moi, il y a un travail continu et engagé qui nous peut faire avec le ministère du tourisme. Si tout le secteur de vertical integration est plus un problème. Tu as aussi une question concernant l'action qui FTC est capable de prendre, l'action que les autres institutions y prennent, là il y a quelques pratiques commerce illégales ou bien qui existent. Vous voyez, par exemple, il y a une certaine défaillance dans la loi, nous admettons, et c'est même ça qui nous amène à nouveau la loi. Mais c'est moi aussi, là nous avons nos statistiques, même si nous défaillance, nous ne sommes pas faire un bon peu quelque chose. L'année passée, sous en termes de l'inspection, par exemple, quand tu fais que tu gagnes imposé, tu as à peu près 310 000. 2018 en entier, mon pédio. Et là, tout dépend de 497 000. Et l'année 2017, c'est 34 000. Ça veut dire, ben, qu'est-ce qui peut continuer à venir, bon, peut continuer à imposer bonne fine pour deter sa bonne conduct. Et eventually, sa deterrence, ça va trickle down, qui a va sens behavior, sa bonne dimoun. Et tout le monde l'Assemblée, tu approuves sa bidze. Et l'Assemblée nous a approuvé un budget 159 millions de roupies comme subvention pour trois entreprises publiques. Ça, c'est SHLs, Service La Poste et que SPTC. Dans sa budget, 105 millions y a pour SHLs. Conversation le sassisé est longue, mais bien longue. Et même si ça 159 millions roupies pour trois compagnies publiques, SHLs, Service La Poste et SPTC, toute l'attention sur le SHL. C'est SHL qui pour gagner 105 millions de roupies subvention. Ministre pour le tourisme Didier Doglé t'a expliqué qu'il est SHL qui peut faire bonne voie longue distance. Il t'a accumulé beaucoup la perte en 2017 et il a perdu 34 millions et il a payé et face à dette. En 2018, il a perdu 30 millions et il a dit que sa voyage n'a pas pu absorber sa dette. Et il a dit
li pa pou don nou grant li, pa li ki pou don nou. Se gouvernement ki pou don nou. Gouvernement UAE ki pou don nou. E nou nou nan tam en diskisyon avek gouvernement. A koz nou al kote Tihad, nou di li absorbe, pa yon fè dan le pase, yon absorbe plis ki 150 milyon absorbe. En di nou non. So nou nal direktèman y bilateral sa. Et il y en a deux propositions qui nous fait avec sa gouvernement. Une proposition, nous demandons le budget support point somme qui inclut SHL, mais il y en a les autres, pour le 3 ans et un autre, le 2 ans. Donc nous espérons sur la réponse finale qui nous pour gagner anytime. Un grant qui n'est pas encore rentré, mais qui est essentiel pour Air Seychelles continuer à fonctionner. Je crois qu'il est important que tout le monde de l'Assemblée aussi comprenne pour dire Air Seychelles a besoin de Salazar pour continuer à opérer. Parce que Salazar parle toward son opération, ce qu'il peut faire. Et si nous prenons une décision pour dire nous ne pouvons pas donner à la fin de l'argent, et comme si nous prenons une décision pour dire que Air Seychelles parle dans l'insolvencie bon l'année prochaine. Alors, bon, quoi, il est important que nous tous, nos courants, ça fait. Et c'est cher, si besoin, pour les continuer à opérer, il besoin de gagner ça 6 millions de bonnes l'année prochaine. Dis-vous à l'opposition, tu les connais, si gouvernement, pour tirer l'argent dans le compte public, si en cas, sa grant pas entré. Si gouvernement, président, il a envie de dépenser 6 millions de dollars sur son propre argent, il vous a retourné l'Assemblée pour nous faire tous les années de milieu, quand nous avons dit nous avons la additionnelle, ou bien pour nous faire, si nous avons fait un budget cut, si nous avons envie de squeeze somewhere else, ou bien nous avons un savings dans nos budgets, pour nous capables de financer ça, poser ces choses. Ça veut dire, nous donne garantie qu'ils ne sont pas capables de dépenser un grand si pas d'entrée, à cause de pour affecter nos local positions. Finalement, ça a bidé 159 millions roupies pour trois entreprises publiques qui ont approuvé. Et toujours aujourd'hui, l'Assemblée nationale inapprouve des trois les autres petits bidés pour des trois petites institutions. Et par ailleurs, l'Assemblée pas approuve bidé d'ICT. Par conséquent, l'Assemblée in vote le sabidé en entier qui l'a demandé pour une somme 9 230 665 399 roupies. 11 membres de l'Assemblée qui votent en faveur de sabidé, personne ne participe votre compte. Bureau météorologie puis averti qui belna qui vient en tempête tropicale peut plus près avec Banzil d'Orcide parmi y Aldabra, Farqua, Astove et Assomption. Sa Banzil peut gagner un peu de vent fort et vitesse de vent est capable d'arriver jusqu'à 80 km par heure. En vue sa situation, Bureau météorologique fait sortir un alerte orange pour Banzil de sa région et nous aussi demande Banzimoun là-bas pour prendre précaution et masquer les autres. Pour le bon matin, nous avons envoyé un alerte orange sur Banzil d'Arcide, dans la région Aldabra, Farqua, Astove, à cause de nous remarquer pour dire que ce système est développé. Et pour le moment, il y a une tempête tropicale sévère. Il y a un nom, Belna. Et Belna, il peut bouger dans la direction sud-sud-ouest, à peu près 10 km à l'air. Et nous respectons pas la route demain. Un petit peu de l'ennui, plutôt, il peut à peu près 200 km nord-est avec Zil Aldabra. Et pour le moment, il peut commencer à affecter la Banzil. En effet, il commence à être dans un effet du vent fort. Et respecté par le demain, du vent qu'on arrive à peu près 80 km par heure. Et à mesure qu'il descend, surtout par l'équipe pilotage samedi après-midi, là, il faut commencer à réduire un peu son intensité, le Banzil dans le sud, et il faut commencer à affecter plus ou moins dans la région Madagascar. Est-ce que Maïk Banzil Post perspective aucun impact avec son développement? Bon, pour Maïk Banzil Post, en effet, il peut donner plus ou moins bon temps, il faut clair ici, à cause de son bon système en bas dans le sud. Il peut réduire tout niaz, toute activité pour concentrer plus en bas dans le sud, un petit peu de Banzil Amirante, pour qu'il a gagné plus la pluie, et en Banzil dans le sud, Farqua, Aldabra, Astove, même Assomption,
le pougan y a un peu la pluie assez fort par l'air et aussi du vent fort. Bon, le Banzil, moi, ça a demandé pour prendre précaution, par l'habitude, des temps la pluie, des temps gros du vent, nous, pour masquer, et graduellement, nous pouvons y commencer à clair. La police peut lancer l'appel avec mon public pour une pli responsable pendant sa période de la fête nuit et clané. Ça, il y va ajouter avec ça qui la police peut venir avec pour faire que sa période de festivité y passe bien. À partir d'aujourd'hui, la police peut mettre en place un plan d'opération spéciale pour aider à réduire accidents, vols et les autres offenses pendant sa période où pendant beaucoup d'activités et mouvements par mon public. Il descend en présence officielle de la police de la ville, mais dans sa plan spécial, présence de la police peut augmenter par Zis Victoria, mais dans les autres endroits, côte ça la force identifiée. Bi, c'est que la police ou de qui sa période de nuit éclanée, il déroule bien. Assistant surintendant Jean Toussaint peut demander au public pour venir plus responsable et pour faire attention surtout avec les autres propriétés. Il n'est pas nécessairement facile pour monter une opération pareille, à cause il demande une quantité. Il voit la police qui a des défis et il y en a une instance quand on a besoin justement de venir un peu plus bien organisé. Pareil là, il y en a un temps, il y a un temps crucial dans l'année. Ok, quand nous avons une activité, un côté mouvement, nous avons envie que mon public il fait sa contribution générale, mais aussi individuelle, pour nous capables de réduire n'importe qui a été l'offense, ou soit l'incident indésirable qui est capable d'arriver, ou soit cargue et comète pendant sa période de festivité, nuit avec l'année et son build-up. En effet, l'offense qui nous rapportait avec la police indiminée, comparée avec l'année passée en entier, vol dans la case depuis janvier jusqu'à octobre cette année, il descend par 9%. Vol en général, il réduit par 13%. Et l'attaque contre un autre individu, il diminue par 8%. Touristes et autres transports restent un target particulier. Et la police peut demander à un établissement touristique pour conseiller les autres clients. Par exemple, nous avons un incident quand vol est arrivé à cause de la fenêtre. Il a quitté ouvert, pas lock, il est ouvert en principe. Quand la porte aussi, il a attaqué. Il y a un étranger touriste qui a le lance avec une propriété qui peut-être pas nécessairement besoin à sa point, qui appelle ça un attendant de le lance. Et là aussi, il y a des gens qui profitent. Ça y est un crime opportuniste. Okay? Ça aussi, nous envie d'aller des gens là. Et. Faire autres venir un peu plus security minded. Hein? Pour autres, on a un peu plus responsabilité. Il y en a 8 accidents fatals jusqu'à présent cette année. La police peut demander à Ever pour faire attention aux bandes dangers qui associent avec l'emmisement, derrière par l'influence alcool, faire vitesse, pas mettre ceinture sécurité. Assistant surintendant Antoine Denous, il dit les autres pour sérieux avec sa main de l'offense. Et c'est ça que nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur l'alcool. Et moi, je suis content de dire avec le public. Servir la coule de transport, il n'y a pas juste l'arrêt qu'on met l'offense. Passager aussi. C'est la coule de transport, la route publique, qui a l'offense. Et nous voudrions essayer, à partir de tantôt. S'il faut nous faire arrestation, nous pouvons faire. À cause de l'alcool, de transport, de la route publique, il l'offense. OK? Nous prenons la fouille de mon transport. Aucun des gens qui vont voir avec nos outils après 6 heures du soir. Nous pouvons prendre, et ça, nous pourrions arrêter. Les outils dans l'auto que d'avait pas capable de dire pour qui d'avait est responsable son transport. Et nous disons offensive weapon. La cour, il peut supporter nous là-dedans. OK, quand on fait, il supporte nous. À cause, nous voyons dernièrement, quand c'est des gens qui peuvent condamner, ben l'offense par mettre seatbelt. Ou gagner fin de décembre, ou pas payer, ou payer entre 1500 et 3000 roupies. Sa l'opération peut faire ensemble avec les autres instances, telles que CID, Unity pour la police et la police la marine. Des bateaux la pêche qui n'ont enregistré Sri Lanka ont été arrêtés le soupçon qu'ils ont tapé la pêche illégalement dans une zone exclusive économique CECIL. C'est l'autorité la pêche SFE et la force défense CECIL qui ne rapportent sans l'incident et communiqué la presse conjointe. Zodi qui garde la côte Tsaritsa des bateaux hier, s'il avec Maé, premier tigre voir par l'équipage des bateaux la pêche locale et l'autre par un avion patrouille SPDF.
garde la côte qui si le patrouille de sa région Tigan alerté et zout s'était venu à Ritsa des bateaux zout s'y fait l'inspection à bord ça qui indiquait qu'ils étaient capables de payer la pêche illégalement des délocés ça des bateaux Tigan escorté par bateau patrouille garde la côte et arrive de port Victoria bon matin côte zout Tigan remet avec SFE et la police. Le N's bateau tient 5 membres d'équipage et le Salo tient 6. Il fait en tout 7 bateaux qui ont attrapé le soupçon qu'ils ont tapé la pêche illégalement dans la mer Cécile depuis le commencement salonnais. SFE dit qu'ils ont réussi à prosécuter 4 dans sa 5 qui ont attrapé avant. Commission Réveni Cécile SRC inorganisé la foire recrutement pour permettre 10 monde qui étaient ici faire l'application pour N de 50 places qui en ont coûté sa l'institution financière. Aussi présent que c'est la foire, si des partenaires SRC, Fonds Pension et l'autorité licensing. Commission Réveni est responsable pour ramasser taxes dans le pays, la zone qui gouvernement servi pour financer bonne projet, services et payer salaire secteur public. Avec restructuration qui n'en ont et l'exigence pour collecter toute taxe d'après ce que la loi est autorisée, Commission Réveni besoin beaucoup plus de MEDEV. Directeur général pour service support de la Commission Réveni, Elvis Julie, indique que c'est la fois un journée que la CCS a l'opportunité pour des gens qui sont intéressés pour faire l'application pour un place de travail côté sa l'institution financière. Il y en a une cinquantaine sa bonne poste. Dans la position de taxation, dans la position de customs, dans la aussi position dans human resource, training. Nous avons aussi une position dans le bureau commissioner général, légal. Nous avons position aussi dans le bureau assistant commissionnaire aussi, qui est compliance. Donc, il varie across the board. Fonds Pension, il y a une institution financière qui beaucoup de monde est en cause de l'eau pendant sa bonne dernière temps. Et il aussi participe dans sa la fois recrutement qui Commission Réveni in organisé. Son marketing manager, M. Darrell Bristol, vous donne un petit peu plus de détails. Nous avons une relation étroite avec ça aussi. Par exemple, si il y a un membre, spécialement un membre qui a un business, self-employed, qui peut prendre votre retraite, et nous avons besoin de certains records à concernant les autres détenant l'emploi ou bien profit ou whatever que tu fais. Et ça aussi, c'est l'agence qui provide nous ça, l'information si nous besoin ça. Fonds Pension, tu as aussi profité pour enregistrer bon membre pour être capable de gagner accès avec votre compte à travers Internet. Anytime, anywhere, tu as été accès avec Internet, tu peux accès à l'information en termes de paiement que tu as pension fund, mais il y a un calcul, mais il y a été, soit son contribution volontaire, soit en contribution mandatoire, et que son intérêt est là. Et l'autre partenaire, c'est la fois, c'est l'autorité licensing qui sont officiers d'information et Michael Labonté. Et c'est lui qui provide ça aussi, quand tu as l'information possible pour qu'ils te demandent pour capables de faciliter pour collecter les revenus qui souvent nous gagnent un peu de difficulté pour nous collecter. So, qui bonne information qui est ça pour demander? Well, il tout dépend si quelquefois il y a des difficultés pour locer un dimon qui est en retard avec son taxe suite au bon business. Il gagne bonne information contre nous dans le système. Samoa et SAC, il fête son 10e anniversaire. Commissionnaire taxe domestique, Marie-France Franchette, indique que c'est la fois nous aussi permet du monde connaît à cause important pour payer taxes. Je regarde la quantité de revenus qui nous peut ramasser. D'après les derniers chiffres qui m'ont montré regarder dans le budget qui ministre présenté, il y a à peu près 79% offrant l'argent que le gouvernement a besoin. Juste l'année passée, lui-même, nous avons environ 7 millions roupies. 7 millions roupies. Donc, il montre où l'emploi, from code nous été dans l'année avant 2010, qui quantité nous peut faire là aujourd'hui. L'association Dimonaveg est bonne, qui peut avoir bien clair et sa vie. Il continue ses efforts pour être bon étudiant avec bonne telle disabilité qui tient content d'entrer dans l'école normale. Ça, il parmi bon différents projets qui ça l'association peut travailler là et l'accompagner Joël et que Créolo il donne soutien l'aide. Maman Sabvi, il sent Christ Child comme un remerciement pour l'accompagner Joël et Créolo.
Ça a dit l'accompagner, il donne ça à l'association 50 000 roupies en tout pour être zot avec zot posé. Ça implique donation qui ça l'association gagne depuis qu'il établit et en passé. Sa vie, il y en a à peu près 30 membres et pour l'instant, je n'ai pas un bureau que je t'ai rencontré et je t'ai voudrais qu'il s'y sensé. Secrétaire de l'association Dimoun Aveg et bonne qui pas voit bien clair, Rosabelle Waro Martin, il dit qu'il s'y a raison avec les autres aussi forme Dimoun qui travaille avec bonne qui a sa qualité disabilité et pour assister braille et bonne technologie l'information qui pour faciliter les autres l'apprentissage. Et nos projets, par exemple, qui, même au niveau éducation pour Dimoun, où on n'a pas aucun matériel, aucune formation. All that is very costly. Nous nous parlons pour nous travailler avec un pays, par exemple, Maurice et La Réunion, qui en a ben Dimoun, qui en a ben train personnel, qui est capable de venir ici, qui est capable de train Dimoun ici, en braille. Là, pour l'instant, il y en a juste un maman qui est à l'école Plaisance pour intégrer dans l'école normale. Just one, mazine. Tout ça, il y en a juste un Dimoun qui peut aller finalement dans l'école normale. Alors, vous avez adapté l'île. Pour adapter l'île, vous avez besoin de l'équipement. Avec saison Noël qui nous l'a dans, parents, il y en a un plus grand soir cadeau pour les enfants. Là, qui est un magasin Zouzou, Kids Factory, et Nouvelle Victoria. Kids Factory, il y a business famille, il y a un paradis des enfants. Il s'est ouvert des semaines passées et il a fait une variété de soir pour différents enfants depuis petit baba jusqu'à l'âge 16 ans. Il y a aussi un joué pour un adulte. Propriétaire Kids Factory, Lauréa Rassoul, il dit qu'ils ont essayé de mettre une différence de soi et aussi qualité d'autres produits. Mon enfant, presque tous les week-ends, mon gagne avec des bœufs, des parties. Et tous les week-ends, mon besoin dans différentes boutiques pour mon roi Zouzou. Pour ne pas gagner soit as much qui nous s'est fait ici. Après, elle est ou organise pour petit maman pour nos enfants plus grands ou pas gagner. We also try to bring tout bon Zouzou, tout ce qui est sorti de la France. Nous essayons même Zouzou qualité qui nous connaît. Il y a Vala, c'est un peu plus longtemps aussi. Après, nous emmène une quantité de zouzou éducationnelle qui m'a mis à servir, une quantité de zouzou pour dehors aussi. Après, nous avons dit, maman, il y a ces quantités devant laptop, screen, téléphone. Tout le monde emmène une quantité de zouzou qui m'a mis à servir dehors aussi. Avant de terminer le bulletin, nous repassons le bon grand titre. Dirigeant l'opposition, il exprime désappointement avec la décision du président Danny Fort pour passer le projet de loi, l'augmentation du salaire que l'Assemblée nationale a approuvé. L'Assemblée nationale y approuve budget 2020 qui dépasse 9 230 millions, mais ça y pas inclus budget pour le département technologie et l'information. Il y en a alerte orange pour Banzil dans le Sud et qui a l'arbre, là qui tempête tropicale Belna peut intensifier. La police a annoncé un plan d'opération spéciale pour aider réduire accidents, vols et les autres forces pendant sa période Noël éclanée. Et avec ça, nous arrivons à la fin de ce bulletin. Merci pour suivre et nous souhaitons une bonne continuation pour suivre le restant programme de l'OSBC.